Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Bonjour, aujourd'hui je teste un nouveau style de vidéo, c'est pour les vacances. Je vais tourner plusieurs vidéos, je vais vous parler des choses que j'ai découvertes pendant mes congés et que j'ai aimées. Et vu que ça va être le mois d'août, bah, vous allez peut-être avoir du temps et vous allez pouvoir regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc. etc., etc. J'ai eu un micro pour mon anniversaire, ce qui fait que j'ai pu enregistrer les vidéos de Batman que vous avez vues dernièrement. Et j'en profite pour faire un bon son pour cette vidéo. Alors là, l'image est un peu dégueulasse, c'est parce que je filme avec mon Mac. Pourquoi je filme avec mon Mac? C'est parce que ma caméra est en train de filmer la télé pour filmer ma Xbox. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi Kinect s'est activé et ça fait que dès que je bouge, Kinect bouge et c'est l'enfer. Attends. Mais là t'as mon écran. Ah. Alors, quel est le concept? Quel est le concept? Xbox. Arrête Kinect. Kinect fin. Ça a marché? Je sais pas. Bon, donc le concept de l'émission, c'est qu'en fait, je vais parler de plusieurs sujets dans une même émission. On va parler jeux vidéo, cinéma aujourd'hui et podcast. D'abord, j'ai 3 minutes pour parler d'un jeu vidéo et jouer à ce jeu vidéo. Et ensuite, j'aurai 2 minutes. Je continuerai à jouer à ce jeu vidéo. Et pendant ces 2 minutes... Non. Kinect. Xbox. Arrête. Xbox. Ah. Excusez-moi. Et, donc pardon, et je continuerai à jouer aux jeux vidéo, je vous parlerai d'un film que j'ai découvert, peut-être pas un film récent, mais un film que j'ai découvert pendant ses vacances, et un podcast aussi que j'ai découvert pendant ses vacances. On est parti, et c'est parti pour 3 minutes. Alors on va savoir qu'il y a 3 minutes, parce que vous allez entendre ça au bout de 3 minutes. D'accord ? Alors, quand ça aboie, ça veut dire que j'ai atteint les 3 minutes et que je dois parler d'autre chose. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, on va tester le jeu Charlie Murder. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Alors, c'est un jeu, ce qui est cool, c'est qu'il peut se jouer à 4 simultanément sur le même écran. Donc, quand c'est l'été, on a envie de s'amuser avec des amis qui viennent à la maison. Si on est 2, 3 ou 4, ça marche. Si vous avez que 2 amis à la maison et vous avez un autre ami mais qui a une Xbox ou une PlayStation, je crois que le jeu est sur plusieurs plateformes, il peut venir jouer avec vous via l'Internet. Voilà, c'est vachement bien. Alors, quel est le scénario du jeu? C'est très simple. Charlie Murder, c'est un groupe de rock. C'est des potes, je crois que c'est là ma carte mémoire. C'est un groupe de rock qui débute, qui cherche à devenir connu. Et il y a plein de vannes trop cool. Il y a plein de vannes trop cool. Par exemple, l'XP, c'est des followers sur Twitter. Plus t'as de followers, forcément, plus ton XP augmente. Voilà. Donc plus ton groupe devient célèbre, etc., etc. C'est plein de bonnes idées comme ça. Le jeu est rempli de bonnes idées et est vraiment cool. Voici le premier niveau. Pays-Bas. Pays-Bas, c'est l'enfer. Voilà. Donc, le scénario, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique qui a envie de devenir célèbre. Plus... Attendez, je baisse un peu le son. Et lorsqu'il devient célèbre, il y a un guitariste du groupe qui n'était pas là, voilà, et il devient méga méchant, il fait un pacte avec le diable, et il vous mène la vie dure, et vous devez combattre les démons qui vous envoient. Et donc Pays-Bas, c'est les enfers, c'est là où vit votre pote, en fait. Donc c'est un beat'em all très simple, voilà, on commence aux enfers, on donne des coups de poing X, Y, B, super pouvoir, etc., là, mon personnage, vous vous dites, il a un look bizarre. Mais c'est en fait, dans le jeu, c'est comme un RPG. C'est-à-dire qu'on peut changer les costumes du personnage. Et plus vous changez le costume du personnage, plus il vous rend puissant.
C'est-à-dire que c'est vraiment des armures, quoi. Là, j'ai mis un casque en forme de citrouille, c'est parce qu'il y en a des milliards. Donc je vais battre un petit peu ces gens. Donc ça, c'est des coups classiques. Alors, je suis niveau 32, donc ça, c'est les premiers niveaux, je les défonce. Voilà. On peut ramasser des objets à la double dragon, etc., etc. Alors voici une attaque, une super attaque. Voilà. Alors je vais essayer de le faire sur un monstre. Lui, par exemple. Ça m'était jamais arrivé. C'est l'effet Marcus, je pense. Voilà. Ah, déjà? Ok, donc, attendez, je finis un peu sur ce jeu. Je relance de 3 minutes. Maintenant, j'ai encore 3 minutes pour parler du reste. Ok, je finis un peu sur le jeu. Donc, il y a des coups comme ça, il y a des super coups, il y a une super attaque. Il y a des super attaques. Vous vous faites tatouer dans le jeu, et plus vous avez de tatouages, plus vous avez de super attaques. Voilà. Merde. Ça. Ah putain. C'est très dur en fait. Je sais pas comment il fait, Marcus. J'ai plein de pouvoirs. Vraiment, c'est cool. Là, voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est mes fringues. Et voyez, il y a le nombre d'XP. Là, c'est. J'ai 341 de défense. Là, j'ai un peu moins, j'ai 233, etc. Donc, je choisis mon chapeau, mes vêtements et tout ce que vous mettez à votre personnage influe sur le look de votre personnage. En plus, il y a un design de ouf dans ce jeu. Enfin bon, voilà, le jeu est vraiment bien. Bon, je vais parler cinéma maintenant, puisque j'ai pris 4 minutes maintenant. À mon avis, ce sera 4 minutes pour parler d'un jeu. Dans l'ombre de Marie, j'ai vu Dans l'ombre de Marie. Alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti ce film. Et c'est le film sur Walt Disney et la créatrice de Mary Poppins. Alors, vous vous dites que Mary Poppins, c'est peut-être pas terrible. C'est vrai que c'est vieux. Mais c'est quand même un film mythique. Et Dans l'ombre de Marie revient sur la création du film Mary Poppins. En fait, bon, forcément, comme la plupart des films, à la base, c'est un livre écrit par une romancière anglaise. Et la femme, pendant 20 ans, refuse de vendre Mary Poppins à Disney pour qu'il en fasse un film. Elle le refuse totalement. Et au bout de 20 ans, elle accepte de le rencontrer parce qu'elle a plus de thunes. Et donc, elle doit aller le voir aux États-Unis. Et elle fait chier Walt Disney jusqu'au bout. Et on se rend compte que le film de Mary Poppins, si elle fait chier Disney, etc., on se rend compte peu à peu, c'est parce que elle a eu une vie qui a influencé son œuvre, comme la plupart des artistes. Et honnêtement, ce film vaut vraiment le coup. Et regardez le générique jusqu'au bout, parce que le générique est vraiment, vraiment fabuleux. Il y a une super idée à la fin, dans le générique. Voilà. Donc, Dans l'ombre de Marie, très bon film. Et sinon, il me reste 45 secondes. J'ai découvert, enfin non, j'ai pas découvert, parce que je connaissais déjà, mais le podcast de Navo, les invités de mon invité sont mes invités. J'ai eu le temps cet été, vu que c'était un peu les vacances, d'écouter la plupart de ces podcasts. Et franchement, c'est vraiment super intéressant. Parce que ce soit le podcast avec François Descraques, avec Kian ou avec Fibre Tigre, on apprend des choses. Mais vraiment, si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, écoutez les vidéos avec François Descraques et ses invités. On apprend des milliards de choses. Si vous avez envie de devenir un as à Twitter, un as, on peut dire ça encore aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez envie de faire du Twitter, il faut écouter avec Fibre Tigre. Et si vous avez envie de faire de la scène. Ah! Allez, je relance d'une minute. Et si vous avez envie de faire de la scène, écoutez la vidéo avec Kian et ses invités. Ça donne vraiment envie vraiment de faire de la scène. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné envie de voir des tonnes de choses, dont un film qui s'appelle Lenny, mais j'en parlerai dans une prochaine émission. Voilà, on n'a pas vu grand-chose du jeu finalement. Peut-être que 4 minutes, c'est même pas assez pour parler d'un jeu. J'essaierai de faire 5 minutes peut-être sur le jeu et sur d'autres choses. Je termine avec le téléphone. Voyez, le téléphone, c'est le menu de votre personnage. Là, on vous envoie des mails pour vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire maintenant. Si je fais ça, vous voyez l'XP et les capacités de mon personnage. Force, vitesse, etc. Si je fais ça, vous voyez mes tweets et en fait, vous voyez que j'ai 11 400... 114 869, c'est mon XP en fait. Voilà, c'est mon expérience. Et si je fais ça, j'ai un téléphone. Et le téléphone me permet
de prendre en photo des trucs. Et des fois, prendre en photo un truc me donne un pouvoir. Je vais terminer là-dessus. Vous allez voir. Regardez là. Par terre. Il y a un truc par terre. Je le prends en photo. Et j'ai gagné un objet. C'est génial. Vraiment, ce jeu est vraiment bon. Voilà, je résume. Si vous vous faites chier pendant le mois d'août, il faut jouer à Charlie Murder. Vous pouvez regarder dans l'ombre de Marie et écouter les podcasts de Navo. Les invités de mon invité sont mes invités. Je crois que c'est ça le titre. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh! 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.